Écart de route, alors que je suis rentrée hier de Lille, et là je vais voir. Ah, deux personnes que vous connaissez. Voilà, on se voit de temps en temps, mais à chaque fois qu'on se voit de temps en temps, ça nous fait tellement du bien. Et puis demain je repars, je repars à Marseille, après autre part. Enfin bref, là en l'espace de 3 jours, j'aurai enchaîné, je sais pas combien de villes. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Profitez de la vie, soyez heureux, soyez joyeux, arrêtez de vous attarder sur des futilités. Je sais, c'est compliqué en ce moment parce qu'on est dans un délire vachement anxiogène avec tout ce qui se passe et tout. Mais voilà, essayez, parce que c'est ce que j'essaie de faire aussi, de bouger, voilà, de retrouver le sourire, parce que si on reste renfermé et être angoissé de tout ce qui se passe, on s'en sort pas. Bisous tout le monde. Pour regarder au moins 20 minutes du match ce soir, j'avais oublié qu'il y avait Wam Nice. Elle en peut plus. Je dis, bon, mais finalement, ça a un peu retardé parce que Vivi, bien évidemment, ne va pas être prête. On oublie Et du coup. l'apéro. C'est fini l'apéro. Moi, je suis prête et je dois attendre 1 heure pour le match. Du coup, je lui dis, bon, ben, go, regardez-moi 20 minutes du match. Elle vient, elle dit à son frère et moi, mais c'est à quelle heure le match? Je suis 21h. Elle a fait. Là. Ouais. Mais moi je suis prête! Je fais quoi? Je me mets sur les pointes parce que tu as tes bottes et tout. T'es belle! Non, t'es belle! Non, arrête, c'est pas vrai! C'est pas vrai! Oh.